meurent de faim. Il y a des millions qui sont sur le rasoir de mourir. Parce qu'ils n'ont pas à manger, parce que, voilà. Il y a une grande injustice. Il y a des guerres. Une grande souffrance. Vous voyez cette souffrance-là ? Ah ben oui. Hein ? C'est une souffrance qui appartient à nous. Parce que cette souffrance-là, elle est où ? Elle est dans la conscience. Parce que le monde, c'est qui ? L'esprit que tu as dans ta tête, les pensées, c'est qui ? C'est ça la conscience. Et cette conscience, elle ne t'appartient pas. C'est la conscience de l'humanité qu'on a. Parce que si toi, tu représentes la race humaine, à toi tout seul, en toi, si tu sais te regarder, tu as vu comment fonctionne la race humaine. Donc, cette histoire de moi qui s'individualise est complètement une histoire qu'on se raconte. Dans la réalité, elle n'existe pas, puisque nous sommes cette conscience. Et dans cette conscience, comme dans cette conscience, il y a la division qu'on apporte par l'individu qui dit comment que les choses devraient être comme ça, et on projette ce qu'on est dans le monde. Ce qui fabrique le monde. Nos politiques, nos religions, tout ça, c'est nous qui avons fait ça. Personne n'a fait ça. Donc, de comprendre que nous sommes ce monde qui est la conscience qu'on partage tous ensemble, ça veut dire que lui là-bas, c'est mon frère. Même l'assassin là-bas, c'est mon frère. Mais il souffre. Et ton regard, si tu comprends ça, mais vraiment comme un fait, pas comme si le monde c'est toi, c'est un fait ça. Le monde c'est toi et toi tu es le monde. Mais en réalité, si tu as compris ça vraiment, tu ne peux plus faire du mal à qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut dire que l'autre là-bas, il est différent. Il est différent, certainement, superficiellement. Hein, peut-être elle est blanche, moi je suis un peu la peau un peu mat, enfin rose, bleu, n'importe comment, hein, c'est pas grave. Mais on est superficiellement, on est différent. Tes cheveux, ils sont différents des miens, les miennes. Mais fondamentalement, le fonctionnement, la pensée, quand tu as peur, tes inhibitions, ton désir, c'est exactement le même. Exactement pareil. Que tu as un désir dans un pays musulman ou que tu as un désir dans un pays chrétien, c'est le désir. Et on fonctionne tous par ce désir, par la pensée. Depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Et aujourd'hui, après des milliers d'années, on te dit, tout ça, c'est de la mignonnette. C'est quelque chose d'immense d'arriver à un moment dans l'histoire de la race humaine où on puisse comprendre ça. Parce qu'on est dans un tournant là, où il y a un grand, grand changement. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Et ce changement-là, il y a ceux qui ont cristallisé la haine, et bien ceux-là, ils vont avoir plus de haine. Mais ceux comme toi qui cherchent quelque chose pour sortir de tout ça, et bien cette chose-là, elle va s'ouvrir de plus en plus. Il y a très peu d'un côté, beaucoup de l'autre, mais la balance n'a pas besoin d'être forte. Avec parce que toi, en étant dans cette conscience-là, que tu n'impliques plus cette conscience à faire les choses comme d'habitude, c'est-à-dire que tu t'es retiré de cette conscience-là, et cette conscience-là, tu ne fais plus rien pour l'alimenter.
en tant que moi, avec mes idées, mes croyances et tout ça. Donc tu arrêtes d'alimenter cette conscience. C'est toi qui change le monde. Après, c'est vrai qu'on fonctionne différemment. Bien sûr. C'est beaucoup plus facile. Ouais, d'autres personnes, ils vont appeler ça un égrégore, non? Un égrégore, explique. Oui. Ce que tu viens d'expliquer là, oui. C'est-à-dire le mot conscience, cette chose qu'on fait avec notre pensée. Oui. Ça s'appelle un égrégore. Ah, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Explique. C'est que par le pouvoir de la pensée, même une religion, c'est un égrégore. C'est-à-dire que plein de gens, tout le monde partage une même pensée, on va dire énergétiquement, on donne de la force et ça devient de plus en plus puissant. Donc quand on décide de sortir de ça, si plein de gens décident de sortir de cette conscience, comme tu l'appelles, ben cette chose meurt. C'est quoi? Cette chose meurt. Oui, elle meurt, tout simplement. Oui. Voilà. Puisqu'il n'y a plus personne qui l'alimente. Voilà, mais ça s'appelle un égrégore aussi. D'accord. Ah ben, c'est bien. On ne va pas partir sans égrégore. Il y a plein d'égrégores, en fin de compte, dans le monde. Il y a des millions. D'accord. Il y a un égrégore pour, je sais pas moi, pour Saint-Michel, ou pour des lieux, pour une croyance, et ben c'est quelque chose que on nourrit. Oui. En fait, le système qu'on est dans est nourri par nos envies, par tout ce qu'on projette dedans. Et quand tu vois, quand tu sais observer, tu vois toutes ces choses autour de toi, tu te dis, mais c'est pas ma faute ça. Hein? On a tendance à dire ça, non? C'est pas ma faute ça. Pourtant, tu vois, c'est la pensée, c'est la conscience qui habite en toi, qui a fait ça. Tu vois? Et quand tu comprends ça, ben, tu as envie de faire quelque chose pour l'humanité. Et tu vois, notre action ce soir, si on a compris quelque chose, qu'est-ce que c'est aimer? C'est de ne plus propager le problème de l'humanité. Et pour ne plus propager le problème de l'humanité, ta tête doit être complètement vide de ce qu'on appelle moi-je et de ce qu'on appelle toutes tes pensées et de tous tes désirs. Ta tête et tes pensées sont en train de dire aujourd'hui « donne-moi ». Et quand tu fais ça, eh bien, tu produis dans le monde ce que tu ne veux pas vraiment, mais tu le fais quand même. Aujourd'hui, personne d'entre nous ici, je ne pense pas qu'on aimerait que la forêt d'Amazonie soit abattue, mais on l'a fait. On n'aimerait pas que les océans soient pollués, mais ça se passe comme ça. On n'aimerait pas que les guerres se passent, mais il y a des guerres. Tu vois? Donc, toute ta conscience marche sur la volonté collective. Et cette volonté collective, tu vois, si tu as compris ça, ce que c'est de faire quelque chose pour l'humanité, c'est de sortir de cette conscience. Sachant que tu ne sens pas ta conscience, parce que tu es conscience, mais tu nourris plus la conscience. Et la conscience devient pure. Elle n'a plus ces histoires qu'on se raconte. Elle n'est plus en crise, si on pourrait dire comme ça. Parce qu'on a arrêté d'alimenter. Et ça, c'est ce que chacun de nous a notre responsabilité, notre honneur, notre travail, si on pourrait dire, de faire quelque chose pour l'humanité. Ça veut dire de, quand on voit toute cette souffrance-là, cette compassion nous fait faire que toute cette souffrance, on l'enraye. Mais enrayer cette souffrance, c'est qu'il faut que toi-même, tu n'aies plus cette souffrance. Et quand tu n'as plus cette souffrance-là, tu peux agir. Mais si tu souffres aujourd'hui, quelqu'un qui souffre est incapable d'aimer. Il est occupé avec sa souffrance. Donc, tu vois, tous ces gens ne peuvent rien faire parce qu'ils souffrent.
Mais toi, tu vas le condamner, tu vas le mettre en prison, tu vas dire c'est un salaud, c'est un ceci, c'est un cela, non? Ça, c'est la façon logique de la pensée de l'être humain de dealer avec le problème. Mais toi, tu sais autre chose. C'est que cette façon de jouer avec le problème, d'arranger le problème là, crée beaucoup d'autres problèmes. Et la conscience vient en crise à cause de ça. Parce qu'il y a la haine de celui qui n'est pas dans la norme. Tu vois? Donc, tout ça, c'est la pensée qui fabrique ça. Mais quand tu n'as plus, tu n'alimentes plus cette activité. Tu vois? Cette activité de comparer, de juger, de haïr. Quand tu n'alimentes plus cette activité, ça veut dire que tes pensées ne sont plus là. Il y a un ciel bleu sans nuages. Ouais. Et puis, quand tu as ce ciel bleu sans nuages, eh bien, tu vois beaucoup plus clair. Et je crois que c'est ça qu'on a besoin. Avoir un ciel bleu sans nuages dans notre tête. Parce que ces pensées-là nous envahissent et fait le mauvais temps dans la conscience. Pas dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est juste l'illusion de ce qui se passe dans la conscience. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans la conscience. Parce que quand tu as vu le problème qui est en toi et que tu l'as réparé en toi, là-bas, les choses autour de toi vont se faire tout seul. Ne t'inquiète pas, mais ne va pas sortir le drapeau pour essayer de changer monsieur le maire, la politique et tout ça. Ça sert à rien, ça. C'est en toi qu'il faut changer.